N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Lors de son apparition sur le plateau de C'est à vous, le 4 juillet, Bruno Le Maire a discuté des stratégies d'alliance envisageables pour le second tour des élections législatives anticipées. Il a exprimé clairement ses recommandations de vote en cas de confrontation entre la France insoumise, LFI, et le Rassemblement national, RN. Avec le second tour des élections législatives anticipées approchant le 7 juillet, l'anticipation monte, d'autant plus que le premier tour, qui s'est tenu le 30 juin 2024, a vu une participation élevée, reflétant l'intensité de la situation politique actuelle. Cette élection survient après une défaite marquante du parti présidentiel aux élections européennes, attirant ainsi l'attention nationale sur les développements à venir et alimentant les débats sur le plateau de C'est à vous. Dans cette émission, qui place régulièrement la politique au cœur des discussions, Anne-Elisabeth Lemoine a accueilli des représentants de divers partis. La tension était palpable lors d'un échange entre Jordan Bardella et Patrick Cohen sur la question du renforcement des contrôles aux frontières. Bruno Le Maire, invité récent, n'a pas mâché ses mots, notamment en donnant des directives de vote pour un duel potentiel entre LFI et le RN. Les résultats du premier tour ont placé le Rassemblement national en tête avec plus de 29 % des votes, reléguant le camp présidentiel à la troisième place, une position qui ne lui permet pas de se qualifier pour le second tour. Malgré cette situation délicate, Bruno Le Maire a pris position, recommandant un vote blanc lors de son intervention dans l'émission. Il a expliqué son choix en affirmant son opposition de longue date au Rassemblement national et en soulignant les risques qu'il perçoit avec la France insoumise, qu'il décrit comme une menace de nature communautariste pour la nation.